tenemos un cartel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del monte? Quiero ser una mujer. Des tornades, des super-héros, une comédie musicale sur fond de transidentité et La Provence de Marcel Pagnol à revoir sur grand écran. Tour d'horizon des meilleurs films de l'été dans ce dernier numéro de À l'affiche 100% cinéma avant la pause estivale. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borès. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'été hein, donc, un été certes placé sous le signe des Jeux Olympiques, mais on n'en oublie pas pour autant le cinéma. Et d'abord, place aux tornades. Voilà, puisque ce sont elles en effet qui ouvrent le bal. Twisters du Corée américain Lee Isaac Chung, réalisateur qui avait créé la surprise, c'était aux Oscars en 2021 avec son drame, sa comédie dramatique plutôt, Minari. Voilà donc Twisters avec un S, hein, contrairement à son grand frère, sorti lui en 1996, avec succès d'ailleurs, porté à l'époque par Helen Hunt et Bill Paxton. Alors dans ce nouvel opus, donc Twisters, pas une mais bien sûr des tornades, voilà, il est forcément donc question eh bien, de météo ravageuse qui va obliger d'ailleurs une jeune spécialiste des tornades à retourner sur le terrain. Regardez. You don't face your fears. You ride them. We got twins! Twins! Voilà Louise, et je ne vous le cache pas que les organisateurs des JO de Paris espèrent secrètement eh bien, que ces caprices climatiques ne rejailliront pas à l'extérieur des salles. On espère que les tornades épargneront Paris. En tout cas, toujours côté grosse production hollywoodienne, on mise aussi sur les sagas. Oui, à commencer par Deadpool et Wolverine. Alors c'est vrai que sur le papier, ça ressemble à un mariage, un peu une blague, un mariage contre nature, censé tromper la vigilance hein, des fans, supposément lassés des Marvel. Sauf que c'est pas une blague, parce qu'en fait, Deadpool, c'est un mercenaire capable de réparer instantanément ses blessures, il a de la chance. Il évoluait déjà dans la sphère des X-Men, du coup à côté donc, de Wolverine. Avant de faire cavalier seul voilà, à travers des films et devenir sous les traits de la star Ryan Reynolds, eh bien, un super-héros, il faut le dire, assez drôle et assez punk. Le voici donc aujourd'hui associé à Hugh Jackman, l'éternel Wolverine, bien sûr. Évidemment. Alors face à ces poids lourds, la surprise viendra peut-être de la saga Alien, voire d'un blockbuster, cette fois-ci Made in France. Voilà, alors commençons par Alien Romulus. Alors c'est vrai que le nom n'est pas franchement fameux. On ne compte pas en plus les résurgences hein, de la saga Alien, ayant pourtant débuté sous les meilleurs auspices. Souvenez-vous quand même, les réalisateurs se nommaient Ridley Scott, James Cameron, David Fincher au départ. Alors nous dit-on, l'intrigue de ce Romulus est coincée entre celle du premier et du deuxième volet. Alors on doit ça à un cinéaste uruguayen, il s'appelle Fede Alvarez, spécialiste des remakes des films d'horreur de Sam Raimi. Donc en effet, ça sent la frousse de partout. Alors vous parliez eh bien, d'un blockbuster français. Eh bien oui, il y en a bien un au milieu de tout ça. Voilà, c'est trop rare pour ne pas le souligner. C'est Largo Winch. Largo Winch ressort des limbes, hein, puisque le dernier volet au cinéma datait de 2011. Et on pensait d'ailleurs sérieusement hein, que ce James Bond de bande dessinée, on avait terminé avec le cinéma. Eh bien non. Eh bien, Thomas Sisley reprend du service, regardez. You are not a killer. But I'm not a surgeon either. So let's hope I didn't touch an artery. Oh, he'll hunt you down. To hell and back if he needs to. Voilà, et au milieu de cette débauche d'action, le cinéma d'auteur pourrait tirer son épingle du jeu cet été. Hein, en particulier, il a été repéré au dernier festival de Cannes où il a raflé deux prix. Celui de l'interprétation féminine accordé à ses quatre actrices. Et le prix du jury, c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard, comédie musicale sur fond de transidentité et de narcotrafic. Regardez. Qu'est-ce que c'est pour la gueule ? Te necesito. Mi
hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. Y tú conoces a esa Amelia, pero... Eso sería muy peligroso para ti. Y me arrepiento de muchas cosas. Quiero hacer el bien. Voilà, Jacques Audiard, toujours là où on ne l'attend pas. Lui qui se targue d'ailleurs de ne pas spécialement aimer les comédies musicales, eh bien, s'essaye à l'exercice. Alors c'est vrai que, personnellement, ce n'est pas ce que j'ai préféré dans Emilia Pérez. C'est plutôt son atmosphère sombre, les trépidations incessantes du scénario et ce portrait, en fait, de femme puissante qui donne à cette Emilia Pérez une vitalité dingue. Et puis, on se souviendra, à mon avis, encore longtemps de celle qui incarne, justement, Emilia Pérez. Elle s'appelle Carla Sofia Gascón. C'est une actrice trans-espagnole. Elle est solaire, tellement solaire au point qu'on a fini par oublier que le prix d'interprétation féminine cannois ne lui était pas entièrement destiné, mais aussi eh bien, à ses partenaires de jeu dans le film. Oui, il faut dire qu'elle avait fait un discours particulièrement émouvant lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Alors, dans les salles aussi, cet été, votre coup de cœur, Santosh de Sandhya Suri, un thriller qui marque le renouveau du cinéma indien, un renouveau, Thomas, qui passe donc par les réalisatrices. Voilà, et donc par Sandhya Suri, vous l'avez dit, qui avec Santosh, eh bien, raconte l'histoire d'une femme qui, à la mort de son mari, n'a pas d'autre choix que de reprendre le poste de son défunt dans la police. C'est vraiment ce qui se passe, ce qui est proposé aux femmes en Inde. Alors c'est vrai que pour sa première enquête, elle se retrouve confrontée à la mort suspecte d'une femme d'une caste inférieure. Alors c'est vrai que cette enquête aurait pu passer normalement sous silence. Bah, grâce à la ténacité de Santosh, elle va bousculer les interdits. Alors c'est vrai que c'est un film vraiment qui est haletant de bout en bout. Il était présenté en mai dernier au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Je vous propose de regarder quelques images de Santosh. आंखें बंद कर सांस ले सांस छोड़ इस देश में दो तरह के छुआछूत हैं एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता Et justement, non loin de lui, sur les marches rouges, les prestigieuses marches rouges, sa consœur, Payal Kapadia, remportait, elle, le grand prix du jury pour son magnifique All We Imagine as Light. La voici, Payal Kapadia. On y reviendra quand le film sortira bientôt. Voilà, vive le cinéma indien et donc vive les réalisatrices. On avait beaucoup aimé effectivement ce film de Payal Kapadia. On va terminer avec un anniversaire, Thomas, celui des 50 ans de la mort de Marcel Pagnol, cinéaste et écrivain, dont vous pourrez voir cet été une sélection de 10 longs métrages en version restaurée. Voilà, alors outre la rétrospective de son œuvre qui se poursuit jusqu'au 21 juillet, eh bien vous pourrez découvrir dans les salles 10 longs métrages, vous l'avez dit, en version restaurée. Alors, je vais tous les citer, hein. Marius, César, Fanny, Geoffroy, Angèle, Le Schpounz, Regain, La femme du boulanger, La fille du puisatier, pardon, et Topaz. Voilà, alors, c'est une bonne façon quand même d'évaluer, surtout de réévaluer toute la modernité du cinéma de Pagnol. C'est vrai qu'on a dit que ça va aller surtout pour ses dialogues. Eh bien, c'est pas vrai. Ces dialogues sont au service de la mise en scène. Et inversement, il faut savoir que Pagnol faisait du réel la source même de ses fictions à une époque, hein, majoritairement donc les années 30, où le cinéma est resté encore prisonnier des studios. C'est ce qui en fait d'ailleurs un précurseur de la nouvelle vague française. D'ailleurs, Godard était un grand fan du cinéma de Marcel Pagnol. Voilà, et c'est vrai que l'incarnation, hein, volontiers théâtrale des acteurs,
s'insinuait dans le souffle naturel de la vie. J'ai revu récemment Angèle, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et ça sent bon, la Provence et les cigales, c'est pas mal pour l'été. Merci beaucoup Thomas, on vous souhaite justement un très bel été. On se retrouve à la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images des plus beaux films de Marcel Pagnol à voir ou revoir cet été au cinéma. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.